Bonsoir tout le monde, merci en pile parce qu'on avec nous semaine ça sur télévision nationale d'Haïti. On fait encore nous prend la souterrain, nous prend regarder comment ça y est. Qui genre situation à présenter puisque caravane changement doit avancer. Faut nous permettre ou comprendre qui genre travail y est, qui côté travail va fait et pour qui ça travail ça va réaliser. Et du coup parler avec mon population en tout puisque c'est eux même qui prend le principe pour bénéficier ça qu'a fait là pour nous tendre l'idée, tendre disons yo et ouais et pour qui ça c'est qualité de travail ça qu'a réalisé dans cadre caravane changement. On a rappelé caravane lancé sur tout pays à 7 février 2018. Nous songe l'année passée c'était l'Artibonite qui après démobilisé pour aller dans le grand sud et là c'est tout pays qui concerné et chaque semaine télévision nationale d'Haïti fait le devoir avec équipe nous qui un peu partout en un pays pour nous fournir regarder et permettre ou même cap suivre nous pour nous capable de connecter de informer sur Jean Caravane pour tel dans tout coin en d'un pays. Pour semaine ça n'a pas pour nous faire plusieurs communes, n'a pas pour nous faire plusieurs départements, j'en ça habitué fait. Et là, on a démarré tout de suite avec le sud d'Haïti, et puisque Falland Delphin avec Pems Jean-Baptiste, il était dans le sud week-end ça. Falland pour dire exactement côté le dépassé et côté le dépassé qui ça a été ouais cap fait. Et puis qui gens et ils comprennent et qui gens population de manière générale comprennent ensemble travail qu'a exécuté dans le grand sud là avec présence équipe caravane changement. Falland, bonsoir, dis-nous comment ça y est. Nous saluons Sergino Lindon, nous saluons tous les amis téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti. Exactement, je dis à l'équipe littéraire, ni plus précisément dans le département sud pays, dans le grand sud pays. D'abord, nous sommes allés vers Corail, côté que nous allons suivre, qui gens suit travail, ça a fait travail pour élargir route. N'a pas rappelé tout que commune Corail, les mêmes qui dans le département Grand'Anse, mais 29 juin cap venir là, li pral gagner pour célébrer fête patronale qui c'est fête Saint-Pierre. Et bien là nous t'ai parlé avec population dans zone là, nous t'ai gagné chance pour nous t'ai rencontré et des moun, par exemple des techniciens et moun par exemple qui dans zone là qui fréquenter route là, moun qui aller dans marché, moun qui comprennent importance route là. Donc nous t'ai parlé ensemble avec eux, nous t'ai essayé parler pour yo t'ai mettez accent sur qui importance route ça lui même li pral gagner. N'a rappelé tout que route ça lui même la fête sous un élargissement de 10 mètres. Tout de suite après nous te rendons dans le département sud pays plus précisément dans la commune Torbec. Commune Torbec lui même là pour quoi elle est là nous dans et zone et côté tronçon route qui sortit dans carrefour méridien pour aller vers du 6 et bien gagner plusieurs kilomètres route qui fait et bien là gagner 700 mètres route pour quoi elle est là et côté que technicien CNEO a travaillé sous lui côté que on pral permettre moun sa yo ki nan zone sa yo joine un route tout neuf pour capable fonctionner pour capable aller et pour capable vaquer avec occupation personnelle yo et pour ti moun ki nan zone nan tout pour capable faciliter leur pral l'école un route qui pratiquement te bay en pile problème que ce soit le la pluie tomber et avec l'eau avec la boue ou bien le la pluie pas tomber avec en pile poussière roche et puis trou te gen nan route ça et bien là getan gen amélioration qui a fait nan zone ça. Nous t'a parlé avec population nan zone nan, nous parlé avec technicien yo expliquer nous montrer nous importance route sa yo yote gagné pour population. C'était Falland Delphin pour télévision nationale d'Haïti. Merci en pile Falland Delphin avec Pems Jean-Baptiste qui déjà ben une idée de ensemble image qui arrivé tourner pour nous semaine ça pas billet à travers programme ça nous voulait permettre que tout le monde cap suivre comprendre qui genre situation présentée qui genre réalité a avec équipe caravane changement qui déployé dans pays a. Là c'est image qui arrivé premier côté Falland pour aller de nous visiter à Scroya c'est tronçon route Corail. Corail dans le département Grand'Anse. Corail, nous connaissons, c'est une des principales revendications de Mounio. C'est route là. Et route Corail là qui fait pile problème. Nous sommes pendant la campagne électorale, le président Jovenel Moïse était fait mention de ça. Député circonscription, ça, Wolf Papillon, pas bouqué par de ça. Il a pris un engagement pour que l'argent mette dans le budget pour permettre le travail route ça arrive fait. Et finalement, avec l'équipe Caravane, route Corail là, tu as retourné en réalité avant longtemps, puisque le travail lancé et ceci de depuis l'année passée avec lancement caravane dans la Grand'Anse pays. Pour le week-end ça, comment ça y est? Est-ce que le travail continue? Si on continue dans quel niveau y est? Nous parlons tout ça avec Falland et puis PEMS qui était sur route Corail là, week-end dans le TNH. C'est
série travail caravane changement a continué toujours sur route corail pour que elle là amis téléspectateurs télévision nationale d'Haïti nous trouvons nous exactement dans zone Roche Cassé son localité lui-même qui située à quelques kilomètres de rentrée ville corail et bien là toujours travail élargissement route ça qui a fait et déjà à quelques jours côté que ville corail pour célébrer fête patronale qui s'est fête Saint-Pierre 29 juin qui vient là et bien série travail ça a continué travail élargissement toujours à continuer matériel est toujours sur place toujours il y a des techniciens eux-mêmes qui a travaillé qui a permettre que route ça lui-même lui vite accessible à tout le monde qui est voilà nous faire corail nous pral parler avec population avec techniciens eux monde qui a fréquenté route là monde qui dans zone là pour expliquer nous qui importance et qui gens yo ouais série travail ça pour eux-mêmes dans la commune. À 65% conditions vraiment améliorées parce que auparavant j'en étais qu'on fait là c'était massifé nous devons monter mais qu'on y a là avec caravane là son changement parfait. Ok bon à combien de temps exactement moyen de ville corail le sous moto et ça va aller pas de roche cassé là actuellement là mettez le 4 minutes vraiment satisfait parce que nous pas de ça qu'on y a nos journées là on pas plus. Auparavant, je ne sais pas qui ça m'a confronté. Mais quand je suis là, je suis là, il est temps de faire. Ce petit coup, aller gérer avec tout le monde, c'est 750 gouttes. Même que mon app déposé, il a pris 750 gouttes. Soit après, tourner avec tout, il a toujours 750 gouttes. Moi, quand je suis bien passé dans le corail, auparavant, ça prend le gain d'un an, je suis venu dans le corail. C'est parti à faire petit, je suis même crié, même les mêmes devine pas bon ici. Parce que pas de gain du tout. Ta marché c'est sous falaise on ta marché mais actuellement kounia corail réussi dans route bien okay. Oui l'ajustement n'a fait d'abord OK il était mesuré combien auparavant ah non m'pa connais pas de gain ou pas de gain route d'après moi m'ta ka dite moi on pas même on mettre même parce que pas de gain route du tout auparavant m'pa ka connais combien il mesuré mais nous même n'a pas la là 10 mètres. Nous sortis Kafouchal, nous vivons avec, pas même, nous vivons corail même. Chaque jour, même le dimanche, après l'église, nous travaillons. Fin juillet, pas le faire un an. Mais il était là déjà. L'autre équipe là, était là. Auparavant, pas de route. Quand nous commençons à jouer une route, et il y a pile de monde qui était dans la nécessité pour route là, parce que les pour y aller dans le marché, qu'on est capable de faire une machine de trafic pour faire aller devenir depuis route là fini. Bon, je dis merci parce que moi, président Jovenel Moïse, pensait avec nous, pas ici. Longtemps, je me suis dit que la route là était tellement mauvaise, que les lapins tombaient ou pas de jouer un côté pour passer. Et pourquoi tout, l'aile fait gros soleil, poussière, bon problème ou pas de marcher. Pour le moment, quand je suis là, le gouvernement a fait bon travail. Dit-il tout le monde net. Ça m'a dit, je me dis courage avec le député, ni tout, magistrat, villa. Qui a fait travail ça avec le président Jovenel Moïse, pourquoi Jacques Guy Lafontaine, gros coup de chapeau pour vous, par rapport à ce qu'il a fait bon travail dans le pays. Nous ne pouvons pas jouer avec Panou, mais quand nous jouons avec Panou, nous avons une route là. Depuis ce bol là, quand je suis mal à l'aise. Et qui sont en remède qui a fait travail ça? Ah, moi je m'appelle tête, je m'appelle bon Dieu pour vous chaque jour, parce que je ne suis pas mais après le bon Dieu pour vous, bon Dieu vous êtes au pire. On y a là, on a joué une moto la caillou, de pour en mesi, on a joué une moto déplacée, venir chercher au bol la caillou et puis déposer au côté pour aller. Non, non, saison est fête patronale Saint-Pierre, qui a privé vendredi là. Donc, bon, nous avons presque quitté tout le travail que nous avons fait pour nous focus dans la rentrée ville là. C'est-à-dire, dans 3 km, nous focus dans 3 km pour nous faire nettoyage. Malgré ça, l'autre devant, il y a des blés qui mais ça empêcher mon yo. Mais nous focus sur 3 km pour nous faire nettoyage pour rentrer ville là. Si vous êtes rentré dans la ville là, nous avons fait nettoyage des boisages, des boussaillages, on prend.
On a fait remblayage tout devant. Mais pour le moment, nous focus dans 3 km là, juste pour nous faire la propre. Nous avons des blés là, nous avons levé pour nous voir dans la route secondaire, dans la troisième section. Donc finalement, c'est ça qui est. Donc nous avons fait nettoyage juste pour faire la cabelle. Nous déjà après, surtout là, nous avons poussière. Hier matin, la pluie a tombé, donc il calme les poussières. Donc ça va. Donc on a fait passage pour la car facile. Pour rentrer, même si il y a la pluie, pour passer la facile. C'est côté que tu as un gros labou, c'est dans l'entrée, Kafouchal. Là, tu as un labou extra. Donc on a fait rembler sur lui. Ou il y a quelques petits côtés encore nous faire rembler jusqu'au côté nous connaît cas bail problème pour passage véhicule. Donc là pas gain problème là, on va son sol solide nous gain pas gain la boue pour jusqu'à ce qu'on rentre courage qu'on a assez de blé à pleuver pour nous faire nettoyage pour véhicule qui passer à droite à gauche. Prochaine étape, n'a continuer dans ouverture, nous gon décapage que n'a fait enlèvement gon sol nous gain et agile en bas, la rele nan ti plaine, li gen agile en bas, n'a décapé jusqu'à 1 mètre, n'a décapé, jeté et puis remplacé. Ensuite, et puis n'a fait ouverture dans toute zone ça mandé devant, tout devant ça mandé ouverture, n'a continué avec ouverture là, élargissement. Alors nous avons besoin en prise de 10 mètres, nous avons besoin sur toute longueur route là. Donc, de côté, nous avons 25 mètres, 6 mètres, nous avons continué l'ouverture. Au niveau commun, nous avons avancé très bien. Oui, nous avons bougé et le conseil là, nous avons toujours été très ferme, nous avons avancé ensemble. Vous comprenez, mais vous connaissez période là, c'est période et fête Saint-Pierre, qui est côté et nous avons. Équipe caravane là qui a bougé là qui a préparé rentrée fête là parce que je pense autrefois et pour mon entrée dans la commune Koraï là c'est un casse-tête chinois mais je dis grâce avec programme caravane et gouvernement je pense que c'est le contraire et ça fait nous même au niveau et responsable l'état administrateur communal là n'a demandé tout le monde et venir en merveille au niveau communal parce que je pense que fête ça, fête Saint-Pierre ça, fête 2018 ça, c'est pour aller en merveille, pour aller pour communal. Dans un premier temps, et accès ça où est là, côté campé là, et je pense que ça, son bail de nouveau, le fini, je pense que nous avons pile potentialité là, pile ressources que nous, grâce à un programme caravane, nous arrivons à découvrir. Par exemple, nous avons une plage au niveau 3e section, et qui c'est patelage, qui je pense que ça, c'est à l'aide des programmes dans vie avec accès, nous permettre nous venir arriver son ressource commune, nous avons une plage extraordinaire. Alors, je pense que d'ici 29, nous avons inauguré place ça ouais ça c'est plage là m'ta remet tout le monde depuis c'est haïtien m'ta mon vinn mon ville on vinn en ville et en dans ville là l'on vini ou pas regrette parce que nous gien des potentialités au niveau commune là nous gien des grottes nous gien des plages nous à peine à découvrir et nous gien l'autre plage et ensuite nous gien en pile lambi tout ouais ça nous là en pile lambi en pile poisson va être c'est quoi oui et me pense que ou a joindre dans période ça là nous gien des frais n'a préparé là qui gagne des produits locaux nous pral gagne au niveau fête la lame parce que d'ici 26 et exposition a gagne en fait vinnwe par exemple nous gagne un produit qui c'est bois bourrique en français m'tande yo dit c'est gâteau manioc mais nous même nous dit c'est bois bourrique m'ta souhaité tout monde qui attendait nous là sont intéressés pour ta rentrer quoi vinn découvrir des potentialités nous gagne au niveau commune ouais ça nous là qui permettent yon expérience dans la vie ou. Voilà, amis téléspectateurs de Télévision Nationale d'Haïti, c'est comme ça nous sommes parlé avec Mounio, nous avons une chance pour suivre réaction Mounio, suivre toute réaction Moun qui travaille sur route, qui c'était ingénieur, qui c'était technicien, qui a parlé, nous porter beaucoup plus de précision pour nous sous construction route ça qui menait exactement vers Koraï. Pas oublier route ça, il commençait depuis Kafouchal et puis il rentrait en dans ville Koraï. Là, une route qui lui-même a un travail qui a fait d'élargissement de 10 mètres. Et bien là, nous on est n'a pas approché nous rapidement.
probablement vers 29 juin. 29 juin, c'est semaine qui va venir là. C'est très bientôt. Eh bien, c'est pour la fête Saint-Pierre dans la commune. Et mes techniciens vont travailler d'arrache-pied pour permettre que la population qui n'ont même pas un dans corail, qui que ce soit dans le département sud, que ce soit dans le département Grenoble, ou bien l'autre département qui a sorti dans Port-au-Prince pour venir fêter avec mon corail, dans la fête patronale Saint-Pierre, pour être capable de joindre la route là, pour être capable d'utiliser la route là. Eh bien, c'était ensemble avec nous, Falant Delphin, pour Télévision Nationale d'Haïti. Là, nous sommes Corail avec Falant Delphin et puis Pemps Jean-Baptiste. Et mon Corail qui a paré pour fêter Saint-Pierre, semaine qui a venu là. Nous souhaitons déjà, et tout pèlerin, bien fêter, vivre fête là et dans la paix. Et permettre que passe un bon titre en Corail. C'était l'occasion pour nous, même conseil municipal là, parler de potentialité ville là, parler de potentialité commune là, et déjà paré, selon ça dit, pour recevoir un pile monde qui est habitué à faire des déplacements ou bien qui peut faire des déplacements. Ça pour le Corail déjà équipe caravane qui mettait les bouchées doubles ce matin Jean-Noël Jean Sotandi le tout pour permettre à Corail présenter un autre visage mais très certainement quelqu'un que l'autre travail qui a continué fait puisque ben il nous a souhaité soit c'est asphalte ou bien béton qui mettait pour permettre effectivement Corail vraiment et vendre une autre image et qui pourra attirer investissement attirer visiteurs attirer touristes et ça qui pourra le faire Mounio gagne l'argent rentrer n'importe où comme ça doit.